Nous sommes ici au square Léopold Gourdin à Berlin. Léopold Gourdin, c'était un mineur résistant, membre des FTP, et il est né ici en 1923. Il est mort en 1945 en déportation au commando de Kochendorf en Allemagne. Ce monument lui est dédié pour ne pas oublier son combat. Il est nécessaire de garder en mémoire la résistance et la déportation. Nous allons voir plusieurs lieux de mémoire dans le Nord et le Pas-de-Calais, qui font tous référence à la Seconde Guerre mondiale. Ils évoquent tous la résistance sous l'occupant, la déportation, les massacres et la torture de personnes innocentes. Nous allons découvrir ensemble le premier de ces lieux, qui lui aussi est dédié à la mémoire des mineurs résistants, à Montigny-en-Goële. Ce sont les élèves du collège Youri Gagarine qui vont nous présenter ce monument. Ici, tu es dans l'ancienne fossette du Dahomey, dont il ne reste plus que quelques bâtiments. Et c'est ici qu'a commencé la grande grève des mineurs de mai-juin 1941. Dès l'occupation allemande du bassin minier, la population va connaître une grande dégradation de ses conditions de vie. On manquait de tout et tout coûtait plus cher. La nourriture va être rationnée, comme le pain, la viande, le beurre, le sucre et même le savon, nécessaire aux gueules noires. Le travail des mineurs aussi a été touché. Ils ont été obligés de travailler une demi-heure de plus, sans augmentation de salaire, les pauses supprimées et les salaires bloqués. Et le mécontentement n'a cessé d'augmenter. Les mineurs vont oser les arrêts de travail et les grèves. Cette grève de mai-juin 1941 a été particulièrement importante. La décision prise par la compagnie des mines de Dourges, qui a entraîné une baisse des salaires, va mettre le feu aux poudres. C'est le 27 mai 1941 que tout le puits du Dahomey se met en grève, sous l'impulsion d'un mineur communiste, Michel Brûlé. C'est un mineur militant syndicaliste et communiste qui avait déjà joué un rôle important lors de la grève du 5 septembre 1940, après la mort de De Galipeau suite à un coup de grisou. Et le 29, le mouvement gagne Austricourt, Carvin, Courrières. Et en 5 jours, la grève devient générale. Plus de 100 000 mineurs du bassin cessent le travail, paralysant ainsi toute l'industrie et privant l'occupant de 500 000 tonnes de charbon. Pendant la grève, les femmes ont joué un grand rôle. Contrairement aux grèves des années 30, les mineurs ont évité tout affrontement. C'est vrai, ce sont les femmes qui ont pris le relais. Elles avaient déjà agi lors des mouvements sociaux des années 30. Et dès le début de la guerre, elles avaient déjà partagé les risques dans les premières actions. Elles distribuaient des tracts, elles faisaient du porte-à-porte, elles barraient l'entrée des fosses pour inciter les mineurs à la grève. Elles n'ont pas manqué de courage. Émilienne Mauptier a joué un grand rôle dans cette grève. Sa famille habitait Montigny et c'est elle qui avait pris la tête des manifestations des femmes. Plusieurs centaines d'entre elles se sont regroupées au cri de « Pas de charbon pour chez Bosch ». Elles ont même marché en direction des grands bureaux de Billy Montigny où elles ont été accueillies à coups de crosse allemande. Émilienne a réussi à échapper à sa première arrestation et a continué son action dans le groupe de Barge jusqu'à son ultime arrestation en septembre 1942 et sa décapitation par les nazis à Cologne. La répression allemande a été terrible. Les premières arrestations interviennent au lendemain du déclenchement de la grève.
les intimidations et les menaces n'altèrent en rien la volonté des mineurs. Je dirais même qu'elles la durcissent. Avec la grève, les cafés sont fermés, les rassemblements interdits. Les paiements des salaires seront suspendus et les cartes de rationnement ne seront plus distribuées. La Feldgendarmerie a fait plus près de 2000 arrestations, dont plusieurs dizaines de femmes. Certains seront relâchés à la fin de la grève. Et d'autres seront renvoyés sur le littoral. 350 arrestations. 241 mineurs seront envoyés pour le premier convoi parti pour l'Allemagne. Mais malheureusement, 141 n'en reviendront pas. Michel Brûlé est entré dans la clandestinité suite à la grève. Recherché par la police française et par les Allemands, il a refusé de parler malgré des semaines de torture et il a été fusillé le 14 avril 1942 au fort du Vergalan à Vambrechy. À Montigny-en-Goële, le combat de Michel Brûlé vient d'être évoqué. Il a été fusillé comme beaucoup d'autres résistants au fort du Vergalan à Vambrechy. Ensemble, nous allons découvrir ce mémorial, présenté par les élèves du lycée Saint-Odile de Lambersart. Tu connais l'histoire de ce mémorial ? Oui, il est installé ici au fort du Vergalan depuis 2012. C'est en souvenir des 92 otages qui ont été fusillés ici entre octobre 41 et février 43. La région était occupée par l'Allemagne pendant la guerre et il y avait quand même beaucoup de gens qui ont fait le choix de résister aux soldats allemands. Ceux qui étaient fusillés, c'était des résistants ? En fait, l'Allemagne les a souvent arrêtés parce qu'ils se méfiaient d'eux. Il y en a qui avaient participé à la grève des mineurs de mai 41, d'autres, c'est parce qu'ils étaient communistes. Il y en a eu beaucoup plus après juin 41. Donc souvent, les prisonniers qui étaient fusillés ici, c'était en représailles d'attentats qui avaient été commis. Et c'était une manière de faire peur à la population et de l'empêcher de résister. Tu sais s'il y avait des femmes otages ? Les soldats allemands avaient fait le choix de n'emprisonner que des otages hommes. Mais ça n'empêchait pas les femmes de participer donc à des actions de résistance. Et puis, parfois même, elles étaient déportées, elles étaient torturées, voire même assassinées par les soldats allemands. Oui, c'est le cas d'Ivan Abbas qui s'est engagée dans la résistance avec son mari dès juin 1940. Elle s'est fait arrêter le jour de ses 20 ans, puis par la suite déportée dans le camp de Ravensbrück. Et dès son retour, elle a appris que son mari Florent Goebbels avait été fusillé. Et tu savais comment les résistants ils faisaient pour lutter contre les Allemands ? Parce que dans les films, on voit souvent qu'ils faisaient sauter des trains. Oui, c'est vrai que le sabotage des voies de chemin de fer a existé. Il y avait aussi d'autres moyens de s'opposer à l'occupation, comme par exemple saboter les lignes téléphoniques ou alors distribuer des tracts appelant à la résistance. Certains habitants ont même caché des aviateurs anglais et d'autres qui appartenaient à des réseaux de résistance ont organisé des attentats contre des soldats allemands. Mais oui, mais tu savais d'ailleurs qu'en avril 1942, plusieurs soldats allemands ont été abattus par la résistance. Et résultat, ici même, les soldats allemands ont décidé de fusiller des otages résistants. Il y a eu un célèbre réseau de résistance dans la région. Oui, oui, celui du capitaine Michel. Il était dans les services secrets britanniques et en 1942, il a fondé un réseau franco-britannique, le Silvestre-Wehrmacht, qui a recruté des centaines de résistants. Leur plus célèbre action, c'est le sabotage d'une usine de locomotives destinée à l'Allemagne, dans le quartier de Fives. Et en 1943, il est abattu par les Allemands. Mais par contre, le réseau, lui, va survivre. Avant d'entrer dans ce réseau, il devait prêter un serment qui commençait ainsi.
Je jure de ne jamais révéler à quiconque les noms des membres de notre organisation et d'ensevelir en moi-même tous les renseignements qui pourraient parvenir à ma connaissance. En fait, ils ont tous pris d'énormes risques, parce que même imprimer un journal clandestin pouvait mener à la mort. Le fort du Vergalan que l'on vient de voir était un lieu d'exécution. Certaines prisons en France ont été des lieux d'internement, d'exécution ou encore des prisons qui menaient vers des camps en Belgique et en Allemagne. Parmi ces lieux, il y a la prison de Coincy qui est reliée au tribunal de Douai. Elle a été un lieu de détention et de torture particulièrement sordide que nous allons découvrir avec les élèves du lycée Ambroise Croizat à Auby. Il y avait trois prisons principales dans la région entre 1940 et 1944. Une à Douai, une à Arras et une à Losses-les-Lille. Ce sont des prisons censées détenir les hommes et les femmes qui ne respectaient pas la loi. Et pourtant, c'était des résistants et des patriotes qui y étaient enfermés. Il y a une plaque à la prison de Douai. Il y a des noms de personnes qui ont été détenues. Parmi elles, il y avait le nom d'une femme, Suzanne Lanoa, professeure à Douai. Oui, elle et son mari ont fait partie d'un groupe de résistants communistes. Suzanne Lanoa a édité un journal qui s'appelle La Pensée Libre en 1941. Elle a fait partie d'un groupe de résistants qui s'appelle le Front National et elle s'est fait arrêter par la Gestapo en 1944. On l'a torturée pendant 5 jours et elle a malheureusement succombé à ses blessures et on a fait passer son assassinat pour un suicide. La prison ne se situe pas très loin de la cour d'appel de Douai. Les prisonniers y attendaient leur jugement en fait. La prison était dirigée par les Français. Les détenus étaient arrêtés, soit par la police ou la gendarmerie française. Ils attendaient leur jugement par la section spéciale de la cour d'appel de Douai. Un tribunal d'exception avait été créé par Vichy pour les communistes, comme la grande résistante Yvonne Abbas, qui a été frappée au visage. Une guillotine a été placée au centre de la prison par les Français pour les condamnations à mort. Elle a été utilisée 5 fois pendant la guerre. Beaucoup de ces résistants ont été déportés par la suite vers les prisons du Reich. La grande majorité d'entre elles ont été placées dans les camps de concentration. On se demande comment ils ont pu survivre à tout ça. Les conditions étaient difficiles. Les toilettes étaient horribles et il n'y avait aucune intimité entre les détenus. Les draps étaient changés tous les 6 semaines. Le linge était changé tous les 15 jours. Et seulement pour ceux qui travaillent, ils étaient changés tous les 8 jours. Ils n'avaient accès aux douches que tous les 8 jours. Et à cause de tout cela, ils ont attrapé plein de maladies. Nous venons de voir les conditions très dures d'internement dans les prisons. Nous rejoignons maintenant un autre lieu d'exécution aussi emblématique. Il est situé dans le département du Nord, à Bondues. C'est le fort Lobo, qui est devenu un musée de la Résistance. Il est présenté par des élèves et anciens élèves du collège Lazaro à Marc-en-Barœul.
En raison de sa position sur cette grande route stratégique située entre Lille et la frontière belge, Bondu voit passer et s'installer l'envahisseur allemand en 1914, puis de nouveau en 1940. À chaque fois, comme dans de nombreux villages, la population tente de survivre et d'organiser la résistance face à l'occupant. C'est quoi toutes ces plaques sur les murs avec ces noms et ces dates ? Durant la Seconde Guerre mondiale, de mars 1943 à mai 1944, 68 résistants sont fusillés ici, dans cette cour, par les Allemands. Ce sont des personnes qui appartenaient principalement à quatre mouvements ou réseaux : Alliance, OCM, Voix du Nord et le mouvement communiste Front National. Ils ont été arrêtés, jugés et condamnés par les tribunaux militaires allemands de Lille pour des actes de résistance comme des renseignements, du sabotage, la distribution de tracts ou de journaux clandestins ou encore l'aide à des aviateurs alliés. Incarcérés à la prison de Loos, ils sont transférés ici à Bondu pour y être fusillés. À l'emplacement de cette statue se trouvaient deux poteaux d'exécution. Mais comment ont-ils été identifiés ? C'est seulement après le retrait allemand, le 1er septembre 1944, et au milieu des gravats du fort, qu'un petit cimetière aux tombes seulement signalées par des numéros est découvert. Par chance, la liste des résistants fusillés est trouvée sur un officier allemand qui n'avait pas encore fui. Ainsi, presque tous les corps ont pu être identifiés et rendus aux familles. Aujourd'hui, ces plaques rappellent les noms de ces 68 martyrs. Et les photos, c'est les portraits des résistants fusillés ? Oui, le musée installé dans les salles du fort, qui ne se sont pas effondrées en 1944, rend hommage aux fusillés, et en particulier cette salle du souvenir, qui nous permet de mettre un visage sur les noms de ces 68 résistants. Cela nous permet de constater la diversité d'âge et de milieux sociaux actifs au sein de la résistance. Le plus jeune, Yvon Bouton, n'était âgé que de 19 ans, et le plus âgé, Marcel Douffy, de 53 ans. Même s'il n'y a que des photos d'hommes, les femmes ont aussi joué un rôle dans la résistance, sauf qu'elles n'étaient pas fusillées. Le plus souvent, elles étaient déportées au camp de Ravensbrück ou guillotinées dans les prisons allemandes. Les historiens estiment qu'environ 18 000 personnes ont été arrêtées entre 1940 et 1944 dans les deux départements du Nord et du Pas-de-Calais pour faits de résistance et que 552 ont été exécutées. Même si Bondu n'a pas été le seul lieu d'exécution pour les résistants de la région, nous devons nous souvenir qu'ici, en 1943-1944, des gens ont donné leur vie pour que nous puissions vivre libres. N'oublions jamais. Maintenant, nous allons nous diriger vers un lieu très symbolique du Pas-de-Calais, le mur des fusillés à la citadelle d'Arras. C'est là où se déroule chaque année l'une des plus importantes cérémonies du souvenir. Des élèves du lycée Guy Mollet nous y emmènent. Beaucoup de résistants et de victimes de la Seconde Guerre mondiale sont restés anonymes. Le lieu le plus emblématique pour marquer leur histoire, c'est certainement le mur des fusillés. Le mur des fusillés est situé dans les fossés de la citadelle. Combien a-t-il de fusillés, Henri ? De 1141 à 1144, exactement 218 résistants ont été fusillés par les nazis. À travers ce mur, on va voir différents visages de la résistance. Ce département était une terre d'immigration. Les fusillés appartenaient à 9 nationalités différentes et ils ont défendu les valeurs de la patrie, liberté, égalité, fraternité. Elle représente quoi cette pierre ? Cette pierre représente le poteau auquel étaient attachés les fusillés. Alors ici c'est Auguste Lico, donc il est né à Dag en Hongrie, donc c'est un ouvrier mineur.
un militant communiste et a fait partie du FTPF. C'est les francs tireurs partisans français. Voilà. Donc il allait chercher à rejoindre le maquis dans les Ardennes avec d'autres jeunes du bassin minier, mais il a été arrêté et fusillé. August Runovic, né en 1922 à Tribol, en Yougoslavie. C'est un jeune mineur qui faisait partie de la jeunesse communiste. En 1942, il intègre la FTP, alors qu'il a déjà quelques actes de résistance à son actif. Et malheureusement, en 1942 aussi, il se fait arrêter par une lettre anonyme, puis il se fait fusiller. En 1939, le Nord-Pas-de-Calais est une région industrielle. Il y a beaucoup de mineurs dans le nord de la France. Effectivement, il y a beaucoup de mineurs, mais toutes les autres professions sont aussi représentées, comme les commerçants, les artisans et également un prêtre qui se nomme Georges Audiquet. Ok, d'accord. En février 1942, Georges Audiquet, un prêtre, est condamné par la Fed Gendarmerie car il a hébergé un aviateur polonais. Il est condamné à mort en avril 1942 avec le maire de sa commune, Irénée Chevalier. Ils ont tous les deux été fusillés dans les fossés de la citadelle d'Arras en mai 1942. C'est le premier exemple d'exécution pour ce motif. Quelles sont les actions mises en place par les résistants dans le Pas-de-Calais ? Ils créent des journaux clandestins, comme par exemple La Voix du Nord. Ils font également du sabotage et ils créent surtout des réseaux d'évasion vers l'Angleterre. Comme le réseau Patolerie ? Oui, par exemple. Dans le Pas-de-Calais, il y avait les communistes et les socialistes qui étaient très importants. Et dans la résistance alors ? Dans la résistance aussi, il y avait les communistes et les socialistes, et il y avait aussi d'autres tendances politiques et confessionnelles. C'est Jean Moulin qui unifie la résistance. Il est d'ailleurs mort pour cette mission. Et elle s'organise comment la résistance ? Le Conseil national de la résistance a mis en place un programme pour organiser le mouvement. Ça a permis après la guerre de revenir à une démocratie en France. Précédemment, nous avons évoqué des lieux d'internement, de torture et d'exécution. C'était principalement des résistants et des résistantes. Pendant l'occupation, il y a eu ce qu'on appelle des rafles. C'était des déportations, surtout de juifs et de tziganes. À la gare de Lens, une plaque nous rappelle la principale rafle de la région. Laissons les élèves du collège Jean Zay nous en parler. On est devant la plaque commémorative de la déportation des 528 juifs du Lensois le 11 septembre 1942 par les Allemands. Les Allemands occupaient la France. Une très grande partie, notamment le Nord-Pas-de-Calais et le reste de la France était sous domination allemande. Pourquoi le 11 septembre ? Cette date n'a pas dû être choisie au hasard. Alors le 11 septembre parce que c'était une fête religieuse juive, le Rosh Hashana, donc les familles étaient rassemblées chez elles. C'était tôt le matin. Les soldats allemands accompagnés de la police française ont raflé les habitants pour les ramener jusqu'à la gare de Lens, puis ensuite vers la gare de Lille-Fives, puis à Malines en Belgique. Le Nord-Pas-de-Calais, il était relié avec la Belgique. Malines, c'est comme Drancy en France, c'est un camp de transit où les personnes étaient déportées pour ensuite être ramenées vers les camps nazis. Qui sont devenues ces 528 personnes ? Elles ont été déportées vers les camps nazis le 15 septembre 1942, vers le camp d'Auschwitz-Birkenau. C'était un camp de concentration et de mise à mort. Et malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui sont revenus vivantes. Mais moi, j'ai pas trop compris pourquoi les juifs ont été déportés. En fait, ils se sont fait déporter parce que les nazis pensaient qu'il y avait plusieurs races et que la race aryenne était supérieure à tous les autres. Du coup, ils pensaient que les juifs étaient des parasites. Avec Hitler à leur tête ? Bah, lui, il est arrivé au pouvoir en janvier 1933 et très rapidement, il a mis beaucoup de juifs à l'écart de la société parce qu'il a enlevé beaucoup de droits avec la loi de Nuremberg. C'est pour ça qu'ils se sont fait persécuter. Bah, par exemple, en novembre 1938, il y a eu la nuit de cristal où beaucoup de personnes juives se sont fait violenter et enfermer dans des ghettos. Où ça ? Seulement en Europe orientale, pas en Allemagne. Et ils se sont fait aussi déporter vers des camps nazis.
comme les tziganes en fait. Bah ouais, les nazis pensaient que c'était une race inférieure et les pensaient criminels et fainéants. Avec toutes ces déportations, est-ce que tu peux me dire un peu quel est le bilan ? L'historien Raoul Elbert dit que c'est 5 à 6 millions de juifs et 220 000 tziganes qui ont été tués par les nazis. En parcourant les registres des écoles Jeanne d'Arc et Carnot, nous avons pu constater qu'à côté de certains noms d'élèves, il y avait marqué « juifs » ou « juifs » emmenés par les nazis. C'est pourquoi on parle de génocide. On peut aussi utiliser le mot « Shoah » qui signifie « catastrophe » en hébreu. Et c'est quoi un génocide ? Bah, c'est quand tu veux éliminer une partie de la population. Par exemple, les nazis trouvaient les juifs inférieurs à eux. Le 20 janvier 1942, il y a eu la conférence de Wannsee en Allemagne. C'est là où ils ont choisi la solution finale, qui est d'exterminer les juifs. C'est impensable, mais ils les ont emmenés où toutes ces personnes ? Ben, soit dans des camps de concentration, ou pire encore, dans des centres de mise à mort qui se situaient vers l'Europe de l'Est. C'est plus de 75 000 juifs qui ont été déportés depuis la France, dont 11 000 enfants, et cela aurait pu être encore plus dramatique sans l'aide de certaines personnes, comme Émile Baudry. Tu connais toi Émile Baudry ? Ouais, j'ai appris que c'était un commerçant lensois qui a aidé une famille juive de Lens. Il a demandé à la famille Tiziak, qui vivait à Los Angeles, s'ils pouvaient cacher deux enfants juifs. Ils ont caché les enfants de la famille Simbalista, Norbert et Myriam, dont leurs parents ont été déportés et assassinés. C'est magnifique ce qu'ils ont fait pour ces enfants, tout en risquant leur propre vie. C'est ce qu'on appelle des justes. Toutes les personnes non-juives qui ont aidé au péril de leur vie des juifs, ils ont eu un titre décerné par le mémorial de Yad Vashem. Et tu connais d'autres Français reconnus comme justes ? Le mur des justes, près du mémorial de la Shoah de Paris, rend hommage à tous les Français reconnus comme justes. En 2018, ils étaient 4065. Nous avons parlé de chiffres, de nombre de juifs et de tziganes déportés à la gare de Lens, mais n'oublions pas que derrière ces chiffres se trouvent des êtres humains de tous âges. Les élèves devant la plaque commémorative du lycée Condorcet à Lens vont nous expliquer qui sont ces déportés et leurs origines géographiques et sociales. Klangeberg. Kleinberg. Klajman. Kleiman. Landau. Landau. Lot. Laut. Liechtenstein. Liechtenstein. Morgenstein. Morgenstein. Et il y a beaucoup de noms à consonance slave ou des noms qui utilisent l'orthographe polonaise. Ouais, comme juste ici par exemple, Charles Piotrowski, déporté à l'âge de 8 ans. Son père, David, était né dans un petit village de Pologne, Tomaszów, en 1906. Il est arrivé en France à l'âge de 28 ans. C'est en France que son fils Charles est né. Il espérait probablement que Charles serait considéré comme un enfant français et donc sauvé, mais ça n'a pas été le cas. Non, ni pour lui ni pour sa petite sœur Madeleine. Elle avait 5 mois au moment de la rafle. Plusieurs enfants de la famille Klangeberg ont aussi été déportés et exterminés. Il y a le témoignage d'un cheminot qui, en rentrant du travail à vélo, a assisté à leur arrestation à Salomé. Et on sait aussi que leur mère Régine avait essayé de résister aux mesures antisémites imposées aux Juifs. En 1941, la police avait essayé de lui retirer son autorisation d'exercer le métier de marchand ambulant. Et c'est pour cela que Madame Klajberg a refusé de signer le papier. Oui, effectivement, il y avait de nombreuses personnes qui exerçaient ce métier de marchand ambulant. Ce métier ne rapportait pas beaucoup, mais suffisamment pour nourrir les familles et pour vivre. Tomaszów se trouve ici, pas très loin de la ville de Łódź. Aujourd'hui, c'est en Pologne centrale. Rien que dans ce petit village de Tomaszów, on comptait plus de 10 000 habitants de confession juive, mais ils ont tous été exterminés. Une grande majorité de la population juive lensoise venait de ces petits villages d'Europe centrale, en particulier de Pologne. Et même avant la Seconde Guerre mondiale, on comptait 3,5 millions de personnes de confession juive qui vivaient en Pologne. Les juifs de Pologne étaient venus s'installer dans le bassin minier pour y travailler. C'était souvent des artisans ou des commerçants. Ils avaient suivi les mineurs polonais installés dans la région depuis la Convention franco-polonaise de 1919. Les gouvernements des deux pays ont alors fait venir 500 000 travailleurs polonais en France. Les juifs de Pologne connaissaient bien les besoins de ces travailleurs
et la langue natale, puisqu'ils venaient du même pays. Du coup, les mineurs polonais du bassin minier, c'était leur première clientèle. Au début, ils allaient souvent dans les corons pour y vendre leurs marchandises. Ils étaient habitués à vivre avec peu, puisqu'en Pologne, la majorité de cette population juive était très pauvre. La Pologne avait été un pays très tolérant pendant plusieurs siècles. Oui, c'est même pourquoi la population juive était devenue la plus nombreuse en Europe et même dans le monde. Dans certains villages de l'est du pays, il y avait même 70 à 80% d'habitants de confession ou de culture juive. Malheureusement, avec les guerres, les problèmes économiques et l'occupation étrangère, la situation des juifs s'est beaucoup dégradée là-bas. C'est pourquoi Hitler a choisi ce pays pour y construire ses camps. Et c'est aussi pourquoi les juifs de l'est ont cherché refuge en France. Ils espéraient que leur enfant né ici pourrait vivre en paix. Malheureusement, ils ont été forcés de retourner dans le pays de leurs parents, occupé par les nazis. Donc c'était un retour vraiment tragique. Précédemment, nous avons évoqué à la gare de Lens le rôle de ceux que nous appelons les Justes parmi les nations. Certains étaient des cheminots qui ont aidé les Juifs à échapper à la déportation. Nous allons voir quel était le rôle des cheminots. Les élèves du collège Paul Langevin à Avion vont nous présenter le monument qui leur est dédié. Ici à Avion, il y a plus de 40 plaques de rue et 3 monuments qui désignent la mémoire cheminote des résistants et déportés de la Seconde Guerre mondiale. Et à Avion, elle était située sur les lignes de chemin de fer qui étaient utilisées par l'Allemagne pour transporter les troupes, les ravitaillements, le chargement, les armes et le charbon. Il y a des cheminots d'ici qui ont participé à des actes engagés tels que le vol d'armes, le vol d'explosifs, la distribution de tracts et de journaux clandestins, à l'organisation de réunions secrètes, pour éviter les arrestations par la Gestapo et la gendarmerie française. Ils ont aussi participé à des actions de sabotage, telles que le sabotage ferroviaire, pour empêcher l'approvisionnement des troupes nazies. Ils avaient pour but de ralentir la progression des soldats allemands et de les empêcher d'arriver à leur fin. Sur les 2500 cheminots lensois, nombreux d'entre eux étaient des communistes et d'autres des syndiqués de la CGT qui soutenaient l'action des résistants. C'est en fin 1940 que le directeur de la SNCF donna aux Allemands la liste des principaux militants. Et les militants seront les premiers francs-tireurs partisans français. Les FTPF prendront ce nom en avril 1942. Et les femmes dans tout ça? Tu as raison, les femmes sont très actives dans le bassin ferroviaire et minier. Entre autres, le 11 février 1941, 300 d'entre elles manifestent pour la troisième fois dans la ville d'Avion pour lutter contre les pénuries et les ravitaillements. Elles aident les résistants par la diffusion de tracts, par le sabotage de transport, en cachant des résistants ou des armes, et par la mise à disposition de boîtes aux lettres. Ni les arrestations, ni la répression, ni les déportations, ni la peine de mort n'empêcheront le développement de la résistance. Pourtant, la répression était très dure avec les cheminots, avec les emprisonnements, le perpétuel danger de mort, la déportation, les exactions et les exécutions. On vient d'évoquer le combat des résistants cheminots. Oui, et on se trouve dans la salle Marcel Houdard au collège Jean Moulin de Berlin. Marcel Houdard, qui était résistant, a été déporté dans le train de l'Os, dernier convoi parti du Nord.
Les élèves de l'école régionale pour déficients visuels Ignace Pleyel vont nous présenter cette terrible histoire. On est dans le cimetière de Loos et il y a une plaque qui commémore les déportés du train de Loos. C'est le dernier convoi de déportés du nord de la Seconde Guerre mondiale. Et le train est parti le 1er septembre 1944. Mais pourtant, les débarquements alliés ont eu lieu? Effectivement, les débarquements alliés ont lieu sur les plages de Normandie le 6 juin 1944, soit 3 mois avant le départ du train. À partir de cette date, la France commença à être libérée progressivement et les Allemands ont commencé à fuir. Si Paris fut libérée le 25 août, Lille ne le sera que le 3 septembre, soit 2 jours après le départ du train. C'est un convoi de résistants et d'opposants politiques. Il n'y a pas que les Juifs qui ont subi la déportation. Tout à fait, dans ce train, ce sont près de 900 détenus politiques de toute la région qui partent. Ils ont été rassemblés à la prison de Loos. Mais pourquoi déporter les résistants? Cela pouvait retarder les Allemands dans leur fuite. Oui, mais les Allemands voulaient à tout prix les transférer en Allemagne, car ils pensaient pouvoir les utiliser comme force de travail et monnaie d'échange. En réalité, le train ne part pas de Loos. Les Allemands ont eu beaucoup de difficultés à trouver un train. Ils partent de Tourcoing, là où il y a des wagons, à la gare de marchandises. Les Allemands font tout pour faire partir ce convoi. Réquisitionner des véhicules, chercher un train disponible. Les conditions de transport sont encore pires que pour les déportés précédents. Les wagons sont bondés, 80 ou 100 personnes par wagon. Il n'y a pas d'aération et pas d'espace pour faire ses besoins. En plus, certains wagons ont servi avant pour du ciment ou de la chaux. Il y a beaucoup de poussière. La mortalité y est très importante. En plus, certains déportés doivent aider à dégager les voies ferrées bombardées par les Alliés, avant de rejoindre les camps de la mort. On aurait pu penser que la résistance aurait pu arrêter ce train, mais elle n'a pas pu. Ici, les Allemands étaient très nerveux et menaçaient aussi de représailles en cas de tentative d'évasion. Certains déportés de ce convoi sont-ils revenus? Environ 30%. Il ne faut pas oublier que les conditions dans les camps étaient terribles. En plus, à la fin de la guerre, certains déportés sont emmenés vers d'autres camps à pied par les nazis. Ils subissent la faim, le froid et l'épuisement lorsqu'ils ne sont pas exécutés. Ce sont les marques de la mort, terriblement meurtrières. Après ce parcours d'histoire en Nord-Pas-de-Calais, nous allons retrouver l'ensemble des participants de ce film. Ces derniers évoqueront leurs conclusions dans un lieu important du Pas-de-Calais, le Centre d'Histoire et de Mémoire de la Coupole d'Elfaux. Nous sommes ici à la Coupole d'Elfaux, centre d'histoire sur la Seconde Guerre mondiale. Cet ancien bunker tenu par les nazis servait à fabriquer des missiles V2 à destination de l'Angleterre. Mais cette stratégie n'a pas fonctionné. Nous sommes ici pour faire la conclusion de tous les monuments commémoratifs que nous avons pu visiter dans le Nord et le Pas-de-Calais. Moi, Jason, ce qui m'a marqué, c'est l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle depuis Londres. Si cet appel n'avait pas eu lieu, la guerre aurait pu prendre un autre tournant.
Moi, Sarah, aujourd'hui, si je suis ici, c'est pour vous transmettre la valeur de la résistance. Les mineurs de chez moi ont résisté contre l'occupation allemande en faisant la grève. Ils voulaient lutter contre leurs conditions de vie déplorables. De mon coin personnel, faire ce film est pour moi un moyen de transmettre l'histoire qui s'est passée chez moi dans le Nord-Pas-de-Calais. Moi, Talia, aujourd'hui, je suis là pour parler de la cause des femmes qui n'ont pas été assez reconnues durant la résistance pour tous les actes qu'elles ont pu faire. Les femmes ne sont pas du tout sur le même piédestal que les hommes. On doit se battre tous les jours pour qu'on soit reconnues et nous faire entendre. Je m'appelle Nisrine et j'ai eu la chance de participer à un projet qui est un travail de mémoire. Ce qui m'a motivée à le faire, c'est notamment ma rencontre avec Lily Léniel, une ancienne déportée enfant, voir ce qu'elle a vécu et justement qu'il n'y a pas qu'elle qui a vécu ces choses horribles. Des enfants qui ont été séparés de leur famille, ça m'a vraiment touchée. C'est notamment ça qui m'a motivée à faire ce projet pour que ça ne se reproduise plus. Moi, Mounia, je vous affirme que ce projet nous a enrichis et nous a appris qu'il est important de développer son esprit critique afin de lutter contre le racisme, l'antisémitisme, les inégalités et toute forme de violence. Moi, Mélissa, ce qui m'a marqué dans ce projet, c'est l'ambition et le courage des femmes pendant les grèves, comme celle de 41. Et au quotidien, ma grand-mère me parle énormément de la guerre qu'elle a vécue. Moi, Léonie, je suis là pour vous dire qu'on doit remercier toutes les personnes qui ont été frappées, battues, tués pour nos libertés. Je les remercie et il faudrait qu'on ait toujours une pensée pour eux. Luttons pour garder cette liberté. Restons tous solidaires. Moi, Léa, ce qui m'a le plus touchée, c'est que certaines personnes ne les aidaient pas ou les dénonçaient les Juifs avant les rafles. Et ce que je pourrais vous dire, c'est de respecter les différences religieuses ou autres. Moi, Lucas, je voudrais vous laisser un message. Stop à la guerre, soyons en paix, stop aux armes et stop au V2. Donc ici, le compartiment de guidage se trouve ici, l'ogive, les réservoirs, le compartiment moteur. Moi, Enzo, et trois autres de mes camarades, on a commencé avec notre professeur d'histoire à mener une action citoyenne pour rappeler la rafle des Juifs de Lens. On s'est senti touchés, on vit à Lens. Il ne faut jamais que ça se reproduise et qu'on commémore et qu'on se rappelle de ces gens qui sont morts d'un destin tragique. Moi, Marie-Eva, je pense que nous sommes là pour éviter que les mêmes tragédies ne se reproduisent. La paix est fragile, entretenons-la. Moi, Martin, je vous affirme que c'est en s'engageant, en étant réellement citoyen, que l'on peut construire un monde plus juste et une société meilleure.